Oyo Boziago, le Seigneur vous bénisse. Le païen organise ses fêtes pour honorer ses dieux. Et puis toi chrétien, enfant de Dieu, tu es dedans. Le païen organise ses fêtes. Le païen organise ses fêtes pour honorer ses dieux. Et puis toi chrétien, fils de Dieu, tu es dedans. Le païen organise ses fêtes pour honorer ses dieux. Et puis toi chrétien, enfant de Dieu, tu es dedans. La Saint-Valentin arrive, oh toi chrétien, tu es dedans. 24 et 25 décembre, fête de Noël, oh. Tu es dedans. Même les fêtes de génération, là-bas au village, tu es dedans. Et le 31 décembre, toi chrétien, tu es dedans. Le plus pire de tout cela, ils organisent des fêtes pour honorer les morts, ils appellent ça la Toussaint. Depuis quand la mort sanctifie, mais toi chrétien, tu es dedans. Depuis quand la mort sanctifie, mais toi chrétien, tu es dedans. Attention mon frère, faut bien lire ta Bible. Est-ce qu'il y a Saint-Valentin dans la Bible? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a la fête de Toussaint dans la Bible? Il n'y en a pas. Fête des générations, oh dans la Bible, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a la fête de Noël dans la Bible? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a la fête des mères dans la Bible? Il n'y en a pas. Toutes ces fêtes païennes, si je vais citer, on a fini là-bas. Mais dis-moi quelle est ta position, toi mon frère, tu ne peux participer à la table du Seigneur et à celle du démon. Car tu ne peux boire à la coupe du Seigneur et à celle du monde. Ce que moi je sais, c'est que la Bible m'enseigne, oh, no, oui, oh. La seule fête que Dieu nous recommande à travers la Bible, c'est la Pâque. Jésus lui-même, avant de partir dans les cieux, il a fêté la Pâque. Jésus lui-même, avant de monter dans les cieux, il a fêté la Pâque. À tout la Corée, il y a mon camo canelé. Oh, oh, oh.